déjà fini le chenil? Oui. Puis la commande d'hier? Déballée, vérifiée, placée parfaitement. Et les planchers? T'as certainement pas eu le temps de finir. J'ai fini ça aussi, j'ai tout lavé. La réception, la salle de chirurgie, la salle de traitement, tout. Mais donc, qu'est-ce qui te prend, hein? T'as pas l'habitude d'être vite de même? Oh! Ça doit être parce que Marjolaine n'est pas dans le décor. Quand tu perds pas ton temps et faire des mamours à toutes les deux minutes, je te dis que t'es pas mal plus efficace. Ça n'a rien à voir. Tu veux pas me demander quelque chose genre augmentation ou congé, j'espère, parce que c'est non, hein? T'aurais beau avoir peinturé tous les murs de la clinique ou bien avoir nettoyé chaque fenêtre une par une, j'augmente personne pour les 25 prochaines années. Je vous demande rien, je suis juste en pleine forme aujourd'hui, là. Tu devrais être en pleine forme tous les jours, ça m'éviterait de te brasser à toutes les deux minutes. Je suis très efficace dans mon travail, vous le savez. Tu dois pas l'être tant que ça, parce que tu viens de m'avouer, c'est parce que t'es en forme que ta job est finie. Je me pose des questions sur ta fête. Oh, ça pue donc bien ici. Qu'est-ce que t'as, c'est des toasts, là? De l'ail. De l'ail? Mm-hmm. Le matin? Oui, mélangé avec du persil et un peu d'huile d'olive. Okay. Depuis deux jours, là, j'ai commencé ma cure d'ail annuelle. Je mange le plus d'ail possible. C'est un super fortifiant, ça. Ouais, je comprends. Faut être fait fort pour manger ça le matin. Puis pour endurer l'odeur aussi. Ça sent plus mauvais que dans le chenil. Ça sent très bon dans le chenil. Je viens de le finir, je vous l'ai dit. Okay. Si vous n'êtes pas capable de me sentir, là, vous avez juste à en manger vous aussi. C'est très bon, hein, et pour la santé et au goût. Es-tu fou? Je me demande comment Marjolaine fait pour endurer ça. Elle a aucun problème avec ça. J'aurais besoin d'aide pour l'hernie discale. Je suis pas capable de soulever toute seule. Ben, pourquoi t'as mis ton masque? Les chirurgies sont pas commencées. Alors ça, c'est au cas où Jean-René vient de travailler trop proche de moi. Bon, ben là, dès qu'il y en a un qui a une chance qu'il vienne me rejoindre, hein, il faut le mettre dans le bain. OK? Je finis ma tartine, puis j'arrive. Cadeau. Est-ce que t'appelles avoir aucun problème? C'est une question d'habitude. Bien me dire comment ça se fait que je suis encore pris à te servir à déjeuner. Ça n'a pas d'allure. Ça doit être mon karma. Je dois payer pour une vie antérieure, certain. Pelant, toi. Hey, tu te souviens-tu, c'est quand la dernière fois que je suis venu déjeuner ici? Écoute bien, je vois, ça fait tellement longtemps que je suis venu déjeuner ici que la poule qui a pondu ce stuff-là, t'as même pas né, oui. Ah. François, t'es venu déjeuner chez nous la semaine passée. Ouais. Oui, oui, mais il était 10h30. Hein? Puis à 10h30, c'est pas un déjeuner, ça, c'est un brunch. Et le mot brunch, j'ai formé de l'association. OK. Ça suffit, là. Laisse faire tes explications linguistiques, mange, puis tais-toi. Je claque. Qu'est-ce que t'as fait avec ce stuff-là? T'as-tu échappé à sa liège dessus? C'est très bon, du sel. Ben ouais, c'est bon, mais pas trop, tu sais. De toute façon, ça crée l'hypertension puis la rétention d'eau. Ça, c'est parce que tu sales trop ta bouffe, Isabelle, que tu fais de la cellulite. Je fais pas de cellulite. François, arrête donc de niaiser deux minutes, s'il te plaît. Ben là, c'est toi, arrête de niaiser. C'est toi qui m'as dit qu'elle faisait de la cellulite. Laisse-moi dire qu'enceinte, ça va être quelque chose, pas à peu près. Quoi? T'as le front de discuter de ma cellulite avec ce moron-là. Penses-tu que je perds mon temps à ça? C'est bien qu'il dit n'importe quoi. Il me semble que tu devrais le connaître depuis le temps. Mais toi, François, là, t'es le plus gentil, le plus agréable et le plus talentueux représentant de la race humaine que t'as jamais rencontré. C'est pourquoi m'a-t-il dit pourquoi moi? Parce que malgré le fait que tu sois une chipie remplie de cellulite, je vais te construire le plus beau petit bureau que tu auras jamais vu de ta vie. Je vais le... Hey! Là, Isabelle n'a pas de cellulite, elle n'est pas enceinte, puis moi, j'aimerais ça pouvoir déjeuner tranquillement, hein, sans être tout le temps être obligé de vous séparer. Demande qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez travailler ensemble, vous deux. Quoi? Instant! No way! On ne travaillera pas ensemble. Quoi? On va mettre en affaire tout de suite au clair. Moi, là, c'est Simon qui m'a engagé. C'est que lui m'a discuté, OK? Toi, tu vas rester en bas. De toute façon, tu connais rien aux rénovations. Ah oui? Oui. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi. Je t'ai pas invité à déjeuner pour tes beaux yeux, certains, hein? C'est avec moi que tu vas travailler pour le déménagement du bureau. Oui, monsieur. Pardon? Tu vas travailler selon mes plans puis selon mes idées. Ah oui? Oui, tu oui. Tu penses ça, oui, toi? Oui, oui, ben, je démissionne. La paix! Penses-tu qu'on va être obligé de déplacer la porte? Non, on va démolir le garde-robe pour aérer un petit peu. Passe-moi l'once. Bonjour tout le monde. Bonjour, Thibault. Monsieur Thibault se demandait si c'était possible de pas trop raser Baroque, hein, pour l'opération ce matin. Ah, ben oui, c'est vrai. On lui enlève sa masse. Oui. Ça devrait pas être si pire que ça. Je fais plus de compétition avec, mais il faut qu'il soit beau pareil. C'est encore mon principal reproducteur. Oh, faites-vous-en pas, les femelles vont continuer à le trouver beau. Non, il faut qu'il se sente à son mieux pour être à son maximum. C'est un chat très orgueilleux. Ah oui, mais rasé par rasé, là, il va falloir quand même qu'il soit en convalescence, hein? Oui. Tant qu'on n'y aura pas enlevé ses points. Mm. Mets-le pas dans sa cage de suite, là, je vais le tranquilliser. Pas de problème. Ça marche.
pouf. J'espère que vous y ferez pas une trop grosse cicatrice. Avec le poil qu'il y a, M. Thibault, là, dans 2 mois, vous pourrez même pas me dire où je l'ai opéré. Vous pouvez venir le chercher en fin d'après-midi. Parfait. Bonjour, là. Bye-bye. Veux-tu bien me dire ce que t'as mangé, toi? Ça me fait couler des yeux. Ben, revenez-en, là. C'est juste de l'ail. On dirait que tu la transpires. C'est vrai, Jean-René. Ça pue. T'as pas essayé de manger du persil ou des grains de café? Ça enlève l'odeur. Je vous trouve délicat, un peu. Délicat, le client fait tomber à terre. En tout cas, il n'y a pas une puce qui va survivre aujourd'hui. Oui. Mmh. Parce que c'est nous autres non plus. Oublie ça, Ricardo. Il n'en est pas question, il n'en sera jamais question. Mais pourquoi? Ce serait beaucoup mieux pour toi en Italie. C'est à Milano que sont tous les plus grands designers. Mais essaye pas! Tu savais en partant que j'irais pas vivre en Italie. T'étais d'accord, toi, pour venir vivre ici? Ah, ça fonctionne pas. J'essaie, mais je n'arrive pas à m'adapter. Mais comment veux-tu arriver à t'adapter? T'es toujours parti. Si au moins tu acceptais de venir avec moi une fois de temps en temps. Ricardo, ma vie est ici. Je travaille ici. Je pars à la retraite, moi. Puis je parle pas italien, puis je m'ennuie pour mourir quand je vois là-bas. Tu t'ennuies? Quand on s'est mariés, tu te disais que c'était le plus beau pays du monde. On n'a pas arrêté de voyager. Je t'ai amené partout, dans les plus beaux endroits. Non, mais c'est bien beau, mais c'est plate. Tes amis ont tous 70 ans, puis tes enfants maïs. Mes enfants, ils peuvent pas te détester. Ils n'ont pas eu le temps de te connaître. Mais ils ne comprennent pas que tu refuses de venir en Italie. Tu les insultes en refusant toujours leur invitation. Ricardo, je vais y aller une fois par an en vacances, mais je n'irai pas vivre en Italie. Si j'avais su, hein? Je t'avais su quoi? Que j'irais pas vivre en Italie, ben tu le savais. Hey, viens pas jouer au martyr, là. C'est toi qui changes les règles du jeu. C'est pas un jeu, c'est un mariage. Et dans un mariage, les règles peuvent changer. Les choses évoluent et c'est normal qu'on essaie de s'y adapter. Je n'arrive pas à vivre heureux ici et je n'arrive pas à être heureux en vivant séparé de ma femme la plupart du temps. Alors, il faut trouver une solution. Très bien. Bon, ben, va le porter dans sa cage. Je vais appeler le client tantôt. Voulez-vous faire les stéréos du char Royer? Pas de suite, je vais faire le chat Thibault avant, OK? Bon, ben, va chercher Bijoux Dumont, on va prendre ses radios. OK. Je vais avoir besoin de Marjolaine en chirurgie. Faites vos radios avec Jean-René. Mais tu es malade? Il est à 10 pieds de moi, puis je le sais, je travaillerai pas avec certains. Non, non, il va t'assister en chirurgie, puis avec un masque, ça devrait pas être trop pire, là. Puis vu que c'est pas une intervention délicate, il va être capable de t'aider. Vous voulez que Jean-René m'assiste en chirurgie? C'est nouveau, ça? Non, non, de toute façon, je peux pas travailler avec lui, là. Même si c'est pas une grosse opération, j'ai besoin de toute ma concentration. Je peux pas être dérangé par des vapeurs d'ail mal gérées. Hey, vous trouvez pas que vous exagérez un peu, là? L'ail, c'est un aliment magique, c'est une plante exceptionnelle aux multiples vertus. Le pharaon Khéops en faisait distribuer tous les jours aux ouvriers qui construisaient sa pyramide. Ça leur donnait les forces, puis ça les protégeait contre les épidémies. Ben oui, ben aujourd'hui, on a les vaccins puis les antibiotiques pour obtenir le même résultat. Il y a des gens qui sont devenus centenaires en mangeant de l'ail tous les jours. Ben ça, c'est parce qu'ils vivaient avec du monde qui avait le nez bouché. Sans ça, ils seraient morts bien avant. Ah, si on en mangeait tout le monde, là, vous seriez bien moins accommodés. Je pourrais vous faire ma fameuse recette de couscous à l'ail. Coudonc, toi, es-tu payé par Étienne Raymond pour faire fuir la clientèle? Tu vas m'arrêter ta cure d'ail immédiatement. T'as froid pendant tes vacances. Tu veux, le mets pas cette semaine. Vous n'avez pas le droit de décider pour moi de ce que je peux manger ou non. Je vais aller me plaindre à la commission des droits de la personne aux normes du travail. Continue même si c'est au chômage que tu vas aller te plaindre. Sois réaliste, Jean-René, là. C'est pas endurable. Les plantes jaunissent, la peinture sur les murs d'école, et puis les animaux perdent leur poil. Bande de petites natures. Marjolaine, toi qui m'aimes, là, tu pourrais dire quelque chose? Tu peux. Regarde, ça va donner à peu près ça. C'est parfait, ça. Good. Tu peux-tu commencer bientôt? Ah, ben écoute, aujourd'hui, moi, je vais aller acheter ce que ça me prend pour construire ça, puis go, mon gars, c'est parti. Good. Ça t'arrangera pas faire trop de poussière, hein? Oublie pas que c'est des vêtements qu'on fait ici. Hey, j'ai-tu l'habitude de travailler en sans dessin, moi? Mais... Toi, Simon, explique-moi comment tu fais pour l'endurer à longueur de ça, journée. Ça, c'est parce que t'as pas le tour. Hein? Faut savoir comment l'apprendre. Oh, ben, je t'en prie, Simon. T'es pas obligé de descendre à son niveau pour devenir aussi macho que lui. Alors, c'est décidé. On va avoir les patrons dans les pattes toute la journée. Ah, Lina. Mais quoi? C'est vrai, non? On avait la paix, Kim et moi. Maintenant, il va falloir travailler sans arrêt et surveiller ce qu'on dit. Non, parce que vous parliez dans notre dos.
Bien sûr, c'est le sport préféré de les employés, de parler contre le patron. Ben, écoutez, moi, quand vous parlez contre Isabelle Lina, je comprends ça, ça a bien du bon sens, mais contre Simon, comment? C'est un super bon gars, ça. Mm. On chiale pas ni contre un ni contre l'autre, faut pas la croire. Phew! J'ai eu peur. Mais inquiétez-vous pas, Lina, je vous dérangerai pas, je vais m'enfermer dans mon petit bureau, je vais fermer la porte, j'écouterai pas vos conversations, je vais être sage. Mm. Tu sais bien que je plaisantais. Non, non, je suis bien contente que vous veniez vous installer ici. L'atelier est grand. C'est une misère de vous voir entassé dans la boutique. On va être mieux. Ça va être plus vivant, hein? Ah ouais, surtout que la vue est bien plus belle en haut qu'en bas. Hein, mon Simon? Oh, franchement. Mais tu peux bien parler. Quel effort tu fais, toi? À chaque fois que t'es ici, tu fais tout pour que je chante à quel point t'es malheureux, puis que tu t'ennuies, puis que t'as donc le mal du pays. Ah, je pensais pas que ce serait comme ça, Jasmine. Je pensais pas. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail, ta boutique, tes amis. Quand je reviens d'Italie, j'ai l'impression que je te dérange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux que... Excusez-moi, Ricardo, je savais pas que vous étiez non, ici. Non, c'est pas grave. De toute façon, je partais. Je viens te chercher pour le déjeuner, d'accord? Mm. Ciao. Ciao. Au revoir. Je suis désolée, Jasmine, avant su, je serais pas descendue. Non, tu m'as fait de descendre. Pour ce que ça donne de se parler, c'est un vrai dialogue de sourds. Il veut que j'aille vivre en Italie. Ah! C'est tout ce que ça te fait. Mais ça m'étonne pas tellement. Mais c'était sûr qu'elle allait s'emmerder ici. C'est vrai, il a toujours été quelqu'un d'important dans son pays, un juge. Là, à sa retraite, il débarque ici, il connaît personne. Il a absolument aucune influence, pas à peu près rien à faire. Ben, coudonc, toi, ça fait-tu une demi-heure que t'es caché dans le coin? Tu reprends exactement les mêmes arguments que lui. Ben oui, mais c'est pas ma belle sorcière à deviner. Comme ça, là, pour pas qu'il soit malheureux ici, moi, faudrait que j'aille me rendre malheureuse en Italie, c'est ça? Ben, je sais pas, Jasmine, t'as toujours aimé ça, l'Italie. Même avant de rencontrer Ricardo, tu y allais souvent. Ben oui, j'aime ça un mois par année en vacances. Rêve pas, hein? Tu te débarrasseras pas de moi demain. Oui, il ne veut pas me débarrasser de toi. Salut. Oh, salut. Comment ça va? Bien? Mal. Toi? Bien, puis mal. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on m'offre un stage de 3 mois dans une entreprise où les conditions de travail sont la priorité numéro 1. Ben, c'est génial. C'est en Californie. Wow, c'est encore mieux. Non, mais j'ai pas le goût de partir 3 mois. Golden est ici juste pour 1 an. Tu peux pas repousser la date de ton stage? Non. Ben, pourquoi t'as fait l'application si tu voulais pas y aller? J'ai fait ma demande avant de savoir que Golden venait. Mm. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Ouf. Ben, à l'ail le matin, tu vas te bousiller le foie. Non, pas avec de l'ail cru. C'est l'ail cuit qui est dur à digérer. Ça dure combien de temps, ta cure? 1 semaine, 10 jours. Mais vous avez tellement l'air d'apprécier que je pense que je vais la prolonger un peu. Je pense que je vais prendre des petites vacances. Vous en mettez un peu, je pense. Si j'avais rien dit, là, vous en seriez même pas aperçu. Penses-tu? On peut te sentir à 20 pieds, fait que, hein? Dis-y pas que je suis là. Ça va être la preuve que c'est uniquement psychologique, votre affaire. Elle me sentira même pas. Pamela, est-ce que t'as vu Jean-René? J'ai besoin de lui pour le Saint-Bernard. Pas du tout. Ben oui, mais il est venu ici certain, ou ben j'ai l'odeur d'ail collée dans le nez, mais ça sent. Qu'est-ce que tu fais là? Y'a rien. Je suis sûr que tu as fait des signes, quelque chose. Pas du tout. Jean-René voulait vérifier si c'était vrai qu'il sentait fort, hein? Il trouve qu'on exagère. Qu'on exagère? Oui. Hey, vous ne vivez pas avec lui, vous autres, hein? Sa grand-mère est partie 6 jours à Québec parce qu'elle n'en pouvait plus. Encore de la mauvaise foi. Le voyage de grand-maman, c'était planifié depuis longtemps. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire au Saint-Bernard, là? Ben, c'est parce que je veux sortir de l'enclos, mais il s'écrase tout le temps. J'ai pensé que si tu venais lui souffler dans la face, il sortirait sûrement à toute vitesse. Très drôle! Mais non, je peux pas faire ça, voyons donc. Tout le poil va y tomber. Oh, pauvre Jean-René, hein? Pauvre Jean-René? Pauvre moi? Qu'est-ce que tu dis? Pauvre moi! Je pense que je suis à veille de faire comme sa grand-mère puis de partir 6 jours à Québec. Oh, attention. On s'entend là. Quin! Yes! N'aurez pas de poussière dans votre atelier, petite madame.
Merci, François. Plaisir, chouette. Un bon café avant de commencer vraiment l'ouvrage? Ah, ben c'était que plaisir, je vous dis pas non, ma petite madame. Hein? Surtout si je me souviens bien, Lina, votre café est assez écœurant, vous. Oh, grâce. Moi, je n'en prendrai pas, merci. Ah. Comme ça, Lina a toujours pas réussi à te convertir au café? Non. Est-ce que les travaux vont durer longtemps? Moi, je pense pas, une couple de jours. Ça te dérange? Bah, ça va sûrement être plus difficile d'être productive. Mais j'ai un patron tellement compréhensif. Un patron? Je trouve tout le temps ça bizarre quand on m'appelle comme ça. J'ai tellement pas l'impression d'être patron. Ça, mon gars, c'est parce que t'as des super bons employés, tu sais. T'as pas besoin de leur dire quoi faire ou ben non, de les surveiller. T'as pas peur qu'ils partent avec, je sais pas, moi, une robe, ben non, une machine à coudre. Santa Maria! On ferait jamais une chose pareille. Galé. Vous devriez voir ce que certains gars essaient de sortir sur mon chantier. Moi, je te le dis, ils partent pas que la pépine, c'est bien juste. La pépine, c'est quoi? La toilette à portative? Non, pas la pipine! La pépine! La pépine, c'est la pelle mécanique creusée fondation. Mais quoi? Ça aurait pu! Pipine! Ben, basta! Ou sinon, je fais plus le café! Non, non, c'est correct, Lina. Café. Hey, je regarde. 3 mois en Californie, logé, nourri, le voyage payé. Ça s'en refuse pas, ma vie. Ben oui, je le sais bien, Isabelle. Mais j'ai tellement pas beaucoup de temps avec Gordon, là, je peux pas me permettre de perdre ces 3 mois-là. Mais tu sais pas, ils vont peut-être décider de rester ici pour toujours, Gordon. Je penserais pas. Oui, mais tu le sais pas. Tu peux pas laisser passer une chance comme ça. Regarde, supposons là, qu'il te resterait moins d'un an à passer avec Louis, là, parce qu'il y a une maladie, puis il va mourir, hein? Mais qu'espérais-tu 3 mois? Mais oui, mais ça n'a rien à voir. T'es ça, les exemples, toi. C'est sûr que je partirais pas en stage si Louis se mourait. Es-tu bonne? Mais là, c'est pas la même chose. T'es probablement dans une relation sans avenir avec Gordon. Oh. Oui, sois réaliste. Si dans un an, tu te ramasses plus de stage, plus de Gordon, tu seras pas bien plus avancé. Non, mais là, j'essaie de pas y penser à l'avenir, OK, Isabelle? Là, je profite à tous les jours à 100% avec Gordon. Puis ce stage-là là, me priverait de 90 jours de pur bonheur. Non, non, c'est trop cher à payer. Bon, mais vas-y pas d'abord, c'est toi qui le sais. Mais tu me trouves niaiseuse. Mais non, pas niaiseuse. Complètement folle. Bon, ben, ça va me prendre une bonne douche après ça, moi, hein? Ah, on n'a pas de douche. Je suis mort pour vous offrir un bon fêteau. Ah, gardons ça, c'est fin, cette petite madame-là. Hein? Tu dis que les Italiennes, ils ont le sens de la famille. Ça sert à rendre son homme heureux. Moi, je dis que les Italiennes, on devrait tout en marier une. En tout cas, tu es aussi volage qu'un Italien, toi, hein? Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, tes intérêts étaient plus asiatiques, hein? Ouais. Tu sais, Kim, j'ai rien contre le Vietnam, c'est juste allergique, que sais-tu? D'ailleurs, c'est dommage, moi, ça m'a empêché de déployer tous mes charmes. Une chance! Une chance certaine, chouette, parce que toi, t'aurais pas pu résister, OK? T'aurais succombé direct, là. François, je veux pas te faire de peine, mais tu n'as jamais eu aucune chance avec la petite, hein? Quoi? T'es raciste, toi? Moi? Non, je suis pas raciste. Mais j'ai de la misère avec les machos. C'est pas une question de couleur. C'est-tu drôle? Pareil, moi aussi. Le mot des machos, je suis pas grave. D'ailleurs, c'est le seul mot italien que j'aime pas. Ah, macho, ça vient de l'espagnol, pas de l'italien. Les Italiens, ils sont seduttori. Les Espagnols, ils sont machos. Toi, Lina, t'es raciste, hein? Non, pas du tout. Je suis tout simplement consciente qu'il y a des différences entre les peuples. C'est bien normal. Tu vois, si j'étais plus jeune, ton style me plairait bien. Je te l'ai déjà dit, tu me fais penser à mon défunt mari. Ah, ouais? Mais avec Kim, ça marche pas du tout. Toi, Kim, c'est quoi ton style à toi? Un style qui pose pas de questions indiscrètes. Ouais, OK. Je vois le style, là. C'est genre bien élevé, à son affaire, là, bien correct, bien drette, là. Genre, je sais pas moi, le style à Simon Olivier, mettons. Coucou! Galé, elle devient rouge. C'est-tu drôle, là? Moi, je pensais qu'elle allait devenir orange, parce qu'avec le jaune puis le rouge, je pensais que c'était... Ben non, elle rougit. Laisse tranquille, la petite. Tu l'embêtes. Ben voyons donc. Ben non, c'est là que ça devient intéressant. Fais comme ça, Kim. Le beau Simon, toi. Hey, le beau Simon, rien. OK? T'es beau. Ah, c'est beau, c'est correct. Je suis me faire quand il faut, moi. Je check. Je retombe. C'est bon. Merci. Ça a-tu bien été ton cours ce matin? Oui.
Je vais donner mes premiers examens la semaine prochaine. C'est là que je vais voir si je suis un bon professeur. J'ai reçu des nouvelles pour mon stage. Ton stage? Oui, tu te souviens, je t'en avais parlé, j'ai fait une demande là, chez MicroSynth avant que tu arrives pour voir comment ils réussissaient à garder leur grand cerveau informaticien. Ah oui, en Californie. Oui. Une idée très intéressante. Mm-hmm. Mm. J'ai été acceptée. Bravo! Super! Oui, sauf que je partirai le mois prochain pour 3 mois. Ah oui. Well, ça tombe mal. Oui, c'est ça que je pense aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de pas y aller. What? Non, je peux pas partir pendant que t'es ici, là. C'est ridicule. C'est ridicule que tu manques une chance en or comme celle-là, oui. Look, Maurice, tu peux pas faire ça. Mais pourquoi? Je dis, c'est un stage qui m'apportera pas grand-chose, dans le fond. Les conditions de travail dans ces compagnies-là, là, sont surréalistes. Non, mais c'est vrai, les employés font eux-mêmes leur horaire. Ils décident d'aller jouer au golf s'ils veulent. Ils peuvent... Maurice, stop. Whom are you trying to fool? Tu sais très bien pourquoi tu tenais ce stage-là. First, parce que la Californie, c'est un bel endroit pour passer 3 mois. Mais le plus important, c'est parce que tu voulais voir l'impact de ces privilèges sur les employés ordinaires de cette compagnie. Ceux qui ne sont pas des cerveaux en or, qui doivent se contenter de conditions de travail ordinaires, c'est un excellent sujet d'étude. Mais oui, moi, je m'en fous du sujet d'étude. Il y en a plein de sujets d'étude. C'est le temps avec toi qui est plus rare, Gordon. Merde, on a 1 an ensemble. 1 an. Puis toi, là, tu voudrais que je... Non, je ne veux pas que tu partes. Ça me fait pas plaisir. Mais ça me fait encore moins plaisir si tu rates cette occasion à cause de moi. Toi, si t'avais la chance de partir, tu irais-tu? Honestly? Yes. Pouvoir me faire l'air bête un peu plus longtemps? Non. On n'avait pas fini la discussion. J'ai vraiment l'impression que tu t'en fiches de notre mariage. Mais pas du tout. Me marier avec toi, c'est la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. J'étais tellement heureuse. Ah oui, mais tu n'allais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche pas, Ricardo. Je suis pas la femme que tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux personne d'autre que toi. Je t'aime, Jasmine. C'est pour ça que je n'arrive plus à vivre comme nous le faisons depuis quelques mois. Aucun mariage ne survivrait à ça. C'est insensé. Je sais. Écoute, cara mia, viens avec moi en Italie. On recommence à zéro. On essaie, c'est tout. Quelques mois. Tu te souviens comme on a été heureux dans la ville? Ça serait malhonnête, Ricardo. Je pourrais tenir 2 mois, 3 mois, 6 mois à la limite, mais... Au bout du compte, faudrait que je revienne. Je suis pas faite pour être une femme entretenue, tu comprends? Il faut que je crée, que je dessine. Je t'empêcherai jamais de travailler, je te le jure. Non, et comme tu m'as juré que tu viendrais vivre ici, laisse faire. Je sais bien que ce serait ça, la prochaine étape. Ce serait pas long que mon travail commencerait à t'achaler, puis il faudrait que j'arrête. Puis ça, c'est à condition que je réussisse à me trouver un travail en Italie. Mais si tu dessines pas de vêtements, tu peux dessiner autre chose. J'ai vu quelques-unes de tes esquisses. Tu as beaucoup de talent, tu sais. Tu pourrais faire de l'aquarelle. Ah oui. Pourquoi pas un peu de broderie avec ça? Mais qu'est-ce que je te propose de si terrible? Beaucoup de femmes, elles seraient enchantées de ne plus avoir à gagner leur vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'amuser, profiter de la vie avec moi qui t'aime. Tu vois bien que c'est pas moi que tu veux. Tu veux une femme comme ma mère, là, qui soigne ses dépressions nerveuses dans toutes les plus belles stations balnéaires à mode. Ça marchera pas. Ricardo, je suis pas comme ça. Moi, je tiens à mon indépendance. Beaucoup plus que notre mariage. Comme ça, tout est de ma faute, là, hein? C'est ça? Toi, t'as rien à te reprocher. Je n'essaie pas de trouver qui a tort ou qui a raison. J'essaie de trouver une solution. Et tout trouver ta solution, puis il y en a juste une. Moi, je vais vivre en Italie avec toi. That's it, that's all. Pas de plan B, hein, Ricardo? J'en vois pas. Du lunch! Good! Ah, t'as boy! Pas arrêté de l'avant-midi, moi je meurs de faim.
Croissant, jambon, fromage, des chips et de la bière. Ça va-tu? Right on. Mm-hmm. Tu manges avec moi? OK. Assieds-toi, je t'en prie. Assieds-toi, assieds-toi. Croissant, jambon, face. Ouais, merci. C'est bon. À toi, t'aimes ça, le vietnamien? La bouffe? Ouais. Ouais. Mais personnellement, j'aime mieux le japonais. Le japonais? Ah, ouais. Mm-hmm. Ça, mon gars, c'est parce que t'as jamais mangé de vrai vietnamien préparé par amour. Une belle petite vietnamienne en amour dans une belle petite cuisine vietnamienne. Ça se peut. Non, ça se peut pas, mon gars, je suis sûr de ça. OK, mais t'as-tu déjà invité au restaurant de sa famille? Non. Non? Mm-hmm. Toi? Quoi pour moi? T'as-tu déjà invité quelque part, toi? Ouais. Ouais? Une fois, ouais. Ah, ouais? Pourquoi tu me demandes ça, toi? Ben, c'est parce que... t'intéresse encore, hein? Et si tu sois là, toi, là, là, regarde le comique. Quoi, toi, toi, non, je suis en amour, moi. Hé, je suis avec Gabriel. Je regarde plus les filles, je te le dis. Toi, une fille, je sais même pas à quoi ça ressemble. Ah, ouais, ouais. Ben, toi, par exemple, toi, célibataire, toi. Uh-huh. Mm. T'intéresse pas, Gabriel? Non, mais non. Mm-hmm. Non, je la trouve bien belle, je la trouve bien fine, mais je pense pas que... Moi, à ta place, j'aurais peut-être pensé, là. J'agirais un petit peu. Parce que cette fille-là, mon gars, elle veut puis pas à peu près. T'aimes ça parler pour rien dire, là? Hé. Hey. Moi, là, matin, là, mm-hmm. je l'ai vu devenir orange de gêne juste parce que j'ai parlé de toi. Tu me niaises, voyons donc. Mmh. Pas en tout, mon gars, je le dis. J'ai même déjà commencé à vous gosser des baguettes en bois frais à manger votre gâteau de noces. Kim! C'est sûr! Hé! Hey. Regarde-moi, là. S'il y a un gars qui a déjà vu des yeux de femme en amour, Burslack, ben moi. Hein? Dès que j'étais à ta place, là, je commençais tout de suite à apprendre le vietnamien, puis ça presse, mon chum. Est-ce que ça va te faire mal? Pas du tout. Moi, quand on me fait des prises de sang, je tombe dans les pommes à chaque fois. Vous pouvez aller attendre de l'autre côté, si vous non, voulez. Non, 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 ça va bien, ça va bien. Il sera trop nerveux si je suis pas là. Comme vous voulez. Hop, ben, ben. Oh! Allez, ben. Mademoiselle Rainville! Mademoiselle Rainville! Mademoiselle Rainville! Mademoiselle Rainville! J'espère que c'est pour frapper la tête! Mademoiselle Rainville! Louis va chercher de la glace! Oui, oui, oui. Ça va, Mademoiselle Rainville? Laisse. Attends. Je pense qu'elle revient à elle. Ça va, Mademoiselle Rainville? Relevez-vous pas trop vite, là? Vous avez tout dit? Non, ça va. Mais qu'est-ce que vous avez pris pour me réanimer? C'est efficace, ça. Ça va bien mieux qu'à l'hôpital. Est-ce qu'on a pris pour vous réanimer? Oui. L'odeur, c'est pas de l'ammoniaque, ça. C'est quoi? Non, c'est pas de l'ammoniaque, vous allez manger. C'est quoi? Venez vous asseoir. On va aller dans le bureau. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Oui, ça va. Prenez votre temps. Ici. Non. Ricardo, ma vie est ici. Je suis née ici, je travaille ici. C'est ici que je veux rester. Mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vraiment été enceinte l'an passé? Si on avait un bébé maintenant, tu refuserais toujours de venir en Italie? On n'en a pas de bébé. T'en voulais pas. J'ai jamais dit ça. Quoi? Tu t'es pas vu l'air, toi, quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte? La panique totale! Et t'en voulais pas de bébé, hein? C'était catégorique. Pourquoi, là, cette discussion? Tu n'étais pas enceinte, de toute façon. C'est toi qui me remets le bébé sous le nez. Tu voulais rien savoir d'en avoir un, c'était clair. Mais là, tu t'en sers comme argument quand ça fait ton affaire. Ça, c'est écœurant! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me servais du bébé juste pour te montrer qu'un couple, il peut pas vivre séparé comme on le fait. Il me semblait que ce serait plus évident si je te parlais du bébé. C'est tout! Tu veux savoir où ça a foiré notre affaire, Ricardo? C'est là. Au bébé. Tu m'as tellement déçue, moi. J'étais tellement contente d'être enceinte de toi. Mais quand je te l'ai annoncé, là... Mais comment tu voulais que je réagisse? Je suis grand-père, déjà! J'ai passé l'âge de donner le biberon. Et puis, de toute façon, cette discussion est complètement inutile. Tu n'étais même pas enceinte. Tu vois? C'est là que tu te trompes. C'est fini. Fini pour de bon. Je vous le dis, j'ai fait la grosse bêtise. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait de si pire?
J'y ai dit. Pour Jean-Philippe? Non, pas pour Jean-Philippe. Pour le bébé. Je veux dire, Ricardo, que tu t'étais fait avorter. Aïe, aïe. Mais ça sortit tout seul! Il m'était tellement maudit. Il faisait semblant de regretter qu'on n'ait pas eu de bébé ensemble, t'imagines-tu? Il en voulait pas de ce bébé-là, pas une seconde. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi soulagé quand j'ai appris que j'étais pas enceinte. Puis là, il a le front de me donner de la marde. Oui, oui, mais mets-toi à sa place. Moi-même, quand tu me l'as dit, c'était pas mon bébé, puis j'ai trouvé ça dur. J'imagine que lui... Non, 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 tu peux pas t'imaginer. Dans son échelle de valeur à lui, là, l'avortement, c'est un meurtre d'enfant. Puis un meurtre, ça mérite la peine de mort, c'est tout. Vous auriez dû le voir. Il va se calmer. Non. Tu veux dire que je parle? Non, 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 arrête, dis mes affaires, ça. OK, mais tu viens coucher chez nous un soir, OK? Oh, c'est une mauvaise journée. Bon, ben, j'ai rien à faire, moi, là. Faut juste que j'attende que mes joints sèchent. Là, mes petites madames, je suis désolé, il va falloir que vous vous passiez de ma charmante présence. Eh, on va pouvoir avancer un peu. Quoi, dis-tu, Lina, là? J'ai-tu dérangé, moi? Comment? Je vous ai presque pas parlé de la journée. Vous me faites de la peine. Mais je veux pas te faire de peine, Francesco. Tu nous as amoussés, pas dérangé. Ah, j'aime ça quand vous m'appelez Francesco. C'est assez beau. Francesco, j'aime ça, moi. Hey, Kim. Comment qu'on dirait ça, mon nom, en vietnamien? Oh, ça serait François. François, est-ce assez beau, le vietnamien? Allez-y, allez-y, allez-y. Faites attention pour vous salir. Merci. Je suis pauvre, c'est pas tout à fait sec. Ça, ça va vite? Ben, hey, écoute bien, il faut être certain que ça va vite. Moi, quand j'entreprends quelque chose pour une traînerie, hein, tu vas voir, ça sera pas long. Ton beau petit Simon, il va travailler juste à côté de toi. François. Hey, quoi? Ben non, à part de ça, j'ai parlé à midi, là. Je vais manger avec, puis moi, je pense qu'il te trouve pas mal de son goût. Tu lui as parlé de moi? Ah, non, non, non. Ben, mais j'ai pas fait exprès, tu sais. C'est juste une conversation générale. C'est les filles, maman, José, Nathalie, Sophie, Rezaka. Oups, Kim. Caramea, ne t'en fais pas. C'est rien. C'est une conversation. C'est tout. Ah, oui, oui, c'est exactement ça. Tu sais, je sais même pas que je vais prononcer ton nom. Hein. Ça va. Laissez-moi travailler. J'ai perdu assez de temps aujourd'hui. Jean-René pas là? Non, il doit être en train de se shooter de l'ail intravenu. Hey, c'est un cas de divorce, ça. Comment demande ça pour l'endurer? Ben là, on fait chambre à part, là. Mmh. Mais écoute, je peux pas l'en empêcher, il y croit tellement. Puis c'est vrai qu'à lire toute la documentation, là, c'est vrai que c'est convaincant. Hey, tu vas pas te mettre aussi, là? Non, mmh. Inquiète-toi pas, je vous ferai pas ça. Puis de toute façon, il se vend de l'extrait d'ail, là, qui est supposé d'avoir les mêmes propriétés, sauf qu'il sent pas. Ah oui? Ben pourquoi il s'achète pas ça? Bon, c'est le côté folklorique. Mmh. C'est parce qu'il y en a bien du poêle. Hey, attends! Jette-le pas. Ben, si c'est pas vous faire une moumoute, là, c'est pas la bonne couleur. Arrête donc de niaiser. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je l'aime tellement, Isabelle, je suis pas pour m'en aller. Non, mais reste d'abord. Ta décision était déjà prise. Laisse-toi pas influencer par sa réaction. Oui, facile à dire. Je sais pas, moi, j'aurais aimé ça qu'il soit content que je reste ou que... Ou que quoi? Ou qu'il me dise ce qui va se passer après. Après la fin de son contrat. Non, mais c'est vrai, s'il restait ici après, ce serait pas si grave que j'allais faire mon stage. Finalement, t'espérais que la question du stage soulève la vraie question. Qu'est-ce qui se passe à la fin de son contrat? C'est ça. Vous en êtes jamais parlé? Non, non, pas vraiment. J'attendais qu'ils me connaissent mieux, hein, qu'ils réalisent qu'ils ne pourront plus jamais se passer de moi, là, hein, comme dans les vues. Mais là, j'ai ma réponse avant même d'avoir posé la question. À la fin de l'année, c'est bonjour la visite, bye-bye Maryse. Hey, là, tu sautes trop vite aux conclusions. Tu peux pas penser pour lui, tu n'es pas dans sa tête. Oh, non, laisse faire. Sa réaction était très révélatrice. Ah, oh, là, Maryse, tu donnes juste des excuses pour ne pas aborder le sujet avec Gordon. Il faut que vous l'ayez, cette discussion-là. Tu as raison, peut-être que ça aurait été mieux un peu plus tard, mais là, tu n'as pas le choix. Si vous vous parlez pas, tu vas gaspiller le temps qui vous reste ensemble à te faire des idées et à imaginer ce qu'ils pensent. Je peux pas faire ça, là. Ça me fait peur. Garde, fais-le. Puis si tu te déçois trop, ben, t'auras toujours ton stage. Hey, je te dis que c'est pratico-pratique, ton affaire, toi. Ben oui. C'est pour ça que tu m'aimes. Jean-René, est-ce que tu peux?
pouvez apporter le chat de M. Thibault, s'il vous plaît? Avec le chat Thibault, sa cage est pleine de poils, puis lui... Ben, qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça, Dr. Constantin. Pensez-vous que c'est une réaction due à l'anesthésie, ça? Il n'y a aucun anesthésique qui peut faire ça. Non, c'est de ta faute, le nouveau. Ça, c'est une réaction à ton haleine. C'est ça. Non seulement tu fais évanouir les clients quand tu vas en consultation, mais en plus, tous les animaux en perdent leurs poils. Je te l'avais dit que ça arriverait, hein? On a l'air fin, là. Ben, c'est impossible, ça. C'est à cause de l'anesthésie, hein, Louis? Je le sais pas, j'ai jamais vu ça. Écoutez, y a-t-il des problèmes avec le chat Thibault? Faites-le pas attendre pour rien, ce client-là. Là. Il est en train de s'imaginer le pire. Je peux pas y remettre son chat comme ça. Là. C'est impossible. Ça. Je comprends pas. C'est pas son chat, ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je ne sais pas, moi. Ben, arrêtez de rire. Il faut trouver une solution. Il faut que... Attends une minute, là. Oh, ma gang de pourris! Ramasse tes potions magiques. Moquez-vous tant que vous voudrez. Mais toutes les études le prouvent que l'ail en grande quantité, c'est excellent pour la santé. Oui. Mauvais pour la vie de couple, par exemple. Au contraire, c'est excellent pour augmenter la virilité. Ben oui, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir la libido dans le plafond si ta blonde fait chambre à part? Ben, elle fera pas toujours chambre à part. Hein? Je me demande où tu prends tes informations, toi. Il y a beaucoup de volumes très sérieux sur les effets médicaux des plantes. Hein? Vous pouvez pas nier qu'il y en a, là. La moitié des médicaments viennent des plantes. Avant qu'on découvre les principes chimiques puis la pharmacologie moderne, le monde se soignait. Avec des plantes. Ben, je sais bien, mais c'était pas mal moins efficace. C'est sûr, là, mais on n'est pas pour laisser tomber des siècles de savoir empirique à cause de notre admiration sans bord de la médecine moderne. Okay. Puis... Hey, arrête tes sermons, tu le sais que j'ai ça. Montre-moi ça. Vous pouvez le garder si vous voulez le lire, hein? Je vous le prête. Ben, je vais regarder ça. Tu pourras plus m'accuser d'être borné. Ah, ça veut-tu dire que je peux continuer ma cure d'ail, ça? Il n'y en est pas question. Ben, laisse-le faire, là. On va s'arranger pour qu'il ne rencontre pas les clients, c'est tout. Hey, ça a l'air d'être bon contre tout l'œil. Stimulant digestif, tonique. Hypotenseur, bactéricide, antispasmodique. Hey, ça finit plus. Hey, si ça marche, son affaire, là, imagine ce qu'on va pouvoir sauver en congé de maladie. Ouais, ben imaginez ce que ça va coûter d'absentéisme puis de baisse de clientèle. Tout borné, mon sens. Ça! Hey, non, mais c'est-tu vrai tout ça, là? Puis même pour la virilité. Parle d'abord. Travailler encore. Ah oh oui, je voulais m'avancer. Les travaux puis le bruit, ça distrait. Puis François parle beaucoup. Il parle beaucoup, oui. Hein? Mais des fois, par contre, il dit des choses assez intéressantes. C'est possible. Mais moi, j'ai pas été épatée jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va recevoir bientôt les nouveaux modèles de Fred? On était supposé les recevoir cette semaine, mais... Il m'a pas donné de nouvelles, fait que je sais pas, je vais le rappeler demain. Là. Écoute, Kim, est-ce que tu avais le temps de venir prendre une bière avec moi? J'aimerais savoir ton opinion sur la collection de Marguerite. Mon opinion? Oui, oui, c'est parce que, ben, il y a des chances qu'on s'associe avec elle pour partir une boutique à Québec. Puis ça se peut qu'elle fasse faire sa confection ici. Puis j'ai des croquis, là, j'aimerais ça savoir ce que tu en penses. Ben écoute, pour moi, ça fait pas grande différence, là. Plus on travaille avec des designers différents, plus ça me donne de l'expérience puis des idées. Puis, franchement, c'est quand même pas à moi de décider qui on prend en confection. Ouais, OK, non, ouais. Dans le fond, t'as pas vraiment le goût de venir prendre une bière avec moi. Ça. Non, c'est beau. J'ai pas dit ça. C'est juste que si tu m'invites seulement pour avoir mon opinion sur Marguerite, ça vaut pas la peine. OK, ben regarde. OK. J'ai le goût d'aller prendre une bière, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi. OK. OK. Regarde. C'est Boston. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. On devrait y retourner. C'est combien de temps d'ici en voiture? À peu près 5 heures, je pense. Peux-tu te libérer vendredi? Moi, je donne pas de cours. Ça nous ferait un long week-end de 3 jours. On aurait le temps. Et pourquoi tu veux retourner à Boston? Pour
pour faire tout ce que j'ai eu envie de faire avec toi la première fois que je n'ai pas fait. Oh, parce que tu avais envie de me faire des choses. You know it. Mm. Bon, ben, on n'est pas obligé d'aller à Boston pour ça. Et mon meilleur ami travaille là. J'aimerais bien que tu le rencontres. Et ça me fera plaisir de le revoir aussi. Ben oui. Tu dois pas le voir souvent, ton meilleur ami? On essaye de se voir au moins deux fois par année. Et on s'écrit. Ah. Ben, c'est parfait. Moi non plus, je donne pas de cours vendredi. Great! Gordon? Mm-hmm. Ça va être comme ça, nous deux, après? Je veux dire, on va essayer de se voir deux fois par année, c'est ça? I knew it was coming. I could feel it. Qu'est-ce que tu veux savoir, Maurice? Je ne sais pas comment ça va être après. Moi, j'aime mieux pas y penser. Moi non plus, je ne veux pas y penser. J'aimerais ça savoir. On ne peut pas décider rien maintenant parce qu'on ne sait rien. Non. Moi, je sais que je t'aime. I love you too, you know that. Mais je ne peux pas faire de plan d'avenir. Pourquoi t'es venu au Québec? Pour être avec toi, tu le sais. Est-ce que tu regrettes que je sois venu? Non. Je veux non. Good. Moi, je regrette pas non plus. On va à Boston et on en profitera aussi pour penser à ton stage. Ne refuse pas tout de suite. Je me sentirai trop mal. Non, t'as pas à te sentir mal, Gordon, OK? Ma décision est prise. Ma priorité, c'est toi. C'est nous deux, hein? J'essaie d'être avec toi le plus possible. Je me sens. Es-tu sûr que tu le regretteras pas? Je peux pas être sûr de rien. Mm-hmm. J'ai pas envie de partir quand toi t'es là. C'est tout. Ça donne à rien de continuer à y penser. C'est d'accord, mais... Gordon, j'y vais pas parce que je veux être avec toi. Je vais profiter de chaque seconde. Ne dis pas non. Tout de suite. D'accord? Aphrodisiaque. Docteur Constantin! Constantin, Madame Chaussée est ici. Non, elle n'a pas de rendez-vous. Elle m'a dit que son chien se gratte l'oreille jusqu'au sang. Vous pouvez apprendre, hein? Vous avez le temps. Elle nous fait toujours le même coup, celle-là. Dis-lui que je vais la voir, mais pas tout de suite. Je vais la faire attendre un peu. Attendez pas trop, vous avez des rendez-vous jusqu'à 9h. Non, René a vraiment pesté à la cuisine, hein? Oh, elle se sent encore. Pouf! As-tu d'autres choses à monter? Non, c'est tout. T'as fait ta souper? Mais c'était pas grand-chose, j'ai fait du spag. C'est parfait. T'as acheté du fromage, du pain, du dessert, du vin. On va se faire des bons petits pains à l'ail gratiné. Ah non, pas d'ail, je suis allergique, OK? Depuis quand? Aujourd'hui. Mais en quelle honneur que t'as acheté tout ça, toi? En l'honneur que je t'aime. Que je suis la fille la plus heureuse du monde. Puis que je suis tellement bien avec toi que ça se fête. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Rien, c'est gratuit. Wow! C'est vrai qu'on est bien ensemble, oui. On prend pas assez le temps de le réaliser. T'as raison, Isabelle. Mm. On est obligé de manger tout de suite. Absolument pas. Tiens. Viens dans ma chambre, maudite chanceuse.